Du tout le monde, c'est Soul sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une mission contractor qui se trouve juste ici. Donc aujourd'hui, on se fait une mission contractor très longue. Donc en parlant des missions contractor, du coup, à partir de maintenant, les missions contractor, ils vont en avoir encore moins qu'avant. Parce que à l'heure actuelle, des missions contractor, il y en avait. Bah déjà, il y en a plus toutes les semaines, il y en a un samedi sur deux. À partir de la prochaine fois, au lieu d'avoir une mission contractor un samedi sur deux, ça sortira plus le samedi, mais ça sortira les dimanches. Alors oui, normalement, ça sort jamais le dimanche. Mais cette mission contractor est la dernière mission contractor qui sort un samedi. Parce que toutes les prochaines missions contractor qui vont sortir pour au moins jusqu'au mois d'octobre sortiront le dimanche, mais attention. Il n'y en aura que une dans le mois qui va sortir. Ça veut dire que vous aurez que une mission contractor sur un mois. Sur l'équivalent de un mois de contenu, vous allez avoir que une seule mission contractor qui va sortir. Alors oui, je suis désolé, hein, du coup il n'y en a vraiment que une dans le mois. Mais malheureusement, voilà. Ça veut dire que un dimanche sur deux, il n'y aura plus de vidéos sur The Crew. Il y aura une vidéo soit sur The Crew, soit sur The Crew 2 hein, pour une mission contractor, soit pour une épreuve créée par moi-même. Alors c'est exactement le même principe ou le même, entre guillemets, souci. Les épreuves créées par moi-même, c'est pareil. À l'heure actuelle, il y en a un samedi sur deux. Ça veut dire qu'il y en a deux par mois. Je crée deux épreuves créées par moi-même par mois. On passerait du coup de deux épreuves créées par mois, par une épreuve créée par mois, donc du coup dans le mois. Voilà, ça veut dire, et ben, quand je vous fabriquerai une vidéo qui s'appellera Race Creator, et ben, il n'y en aurait qu'une par mois. Ah oui, je vous posterai qu'une seule vidéo qui s'appellera Race Creator dans le mois. Oui, malheureusement, comme j'ai dit, en réalité, les Race Creator tombent un petit peu mal. Parce qu'elles sont sorties, le Race Creator est sorti dans une période où le jeu me propose beaucoup de choses à faire en termes de contenu. Mais la saison 1 d'épisode 1 n'a pas beaucoup d'épreuves, il n'y en avait qu'une. Donc ça fait que j'ai posté un peu de nouvelles de vidéos sur les Race Creator. Sauf que la saison 9 épisode 2, malheureusement, il va y avoir 9 nouvelles courses qui vont être ajoutées, c'est-à-dire une totalité de 10 courses au total dans la saison en elle-même. Alors c'est vrai que la saison épisode 1, c'était vraiment, bah, on n'avait qu'une course. Après, il fallait quand même pas se mentir, on avait la possibilité de créer nos propres courses où on le souhaitait sur la carte du jeu. C'est pour ça que le jeu nous a rajouté qu'une course. Parce que bah, on nous a rajouté un Race Creator, donc forcément, vu qu'on peut créer nos propres courses où on veut, le jeu s'est pas embêté la vie, il a créé qu'une course, quoi. Un live Extreme Series. Hein. Mais c'est vrai que les Live Extreme Series, ça faisait quand même une éternité qu'on n'en avait pas eu de nouveau. Alors ça remonte au moins, je sais pas, mais ça remonte vraiment à trop longtemps pour que je le sache. Tout ce que je sais, c'est que ça remonte pas avant 2019. Voilà, ça remonte dans les alentours de avril-mai 2019, la dernière fois qu'on a eu une. Bah, la dernière fois qu'on a eu une vidéo qui s'appelait Live Extreme Series. La dernière fois qu'on eut un live Extreme Series, ça remonte à cette date. Voilà, la dernière fois qu'on a eu un live Extreme Series, comme je viens de l'expliquer à l'instant, ça remonte réellement à ce temps-là. Le 24, ça remonte au moins dans les alentours de mai. Mai 2020, 2000, mai 2019. Donc depuis 2019, on n'a pas eu de nouveau live Extreme Series. Donc 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Enfin, ça fait tout ce temps-là. Ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis malheureusement, on n'a pas eu du tout de nouveau live Extreme Series depuis tout le temps. Et pour vous dire, c'est même la dernière fois qu'on va avoir un live Extreme Series. Parce qu'officiellement c'est la dernière. Alors ils ont jamais dit, ils ont jamais quoi que ce soit dit. Mais
si vous faites l'ASM service, tout à la fin de l'épreuve, ils disent que c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour faire un live stream service. Ça veut dire qu'on se retrouvera plus jamais. Et donc ça veut dire qu'officiellement, c'est la boucle est bouclée, c'est fini. On n'aura plus jamais de live stream service qui seront ajoutés au jeu. Alors moi j'aimais bien les live stream service et du coup on n'aura plus jamais qui sera ajouté au jeu. Vu que ça a été dit que cette fois c'est vraiment fini. Cette fois c'est fini. Alors moi je trouve que c'est un peu embêtant parce que j'aimais vraiment beaucoup les missions contractor. Enfin les missions contractor, les live stream series. J'aimais bien les live stream series, mais bon si ça doit prendre fin, ça prend fin et puis c'est tout. Hein. C'est embêtant quoi. Parce que moi j'aimais bien. En vrai c'était bien les live stream series. Hein. Mais bon, toutes les choses prennent fin, et puis bon, si ça. De toute façon, il faut bien que ça prenne fin un jour. Hein. Faut pas. Voilà, déjà depuis 2019, on n'avait pas eu. Hein. Bon. Alors, la prochaine fois, c'est un peu spécial, du coup, on se retrouvera du coup un dimanche pour faire une mission contracteur, et ça sera pas avant le 17 septembre. Donc, il faudra attendre un petit moment pour en avoir une. C'est-à-dire un jour après la date de sortie qui était censée être initiale. Pour l'instant, ça va encore, mais la prochaine fois, il faudra attendre quasiment un mois pour avoir une prochaine mission contracteur. Donc, au dimanche 17 septembre, c'était Solution Trophée.